Bienvenue au Cannes World Film Festival. Je m'appelle Rosa Maria Mancheri. Je suis née en Belgique, je suis d'origine italienne et je vis aujourd'hui en Allemagne. Je suis la scénariste, régisseur et productrice du court-métrage Stolen Truth, une vérité volée en français, dont la langue originale est en italien. J'ai voulu transmettre le plus possible en images l'histoire dramatique de notre famille. Une histoire qui parle d'un nucléaire familial violent, mais non seulement, qui parle d'une recherche. La recherche d'une sœur, ma sœur, qui s'appelle Rosa, comme moi. Non, je ne connaissais pas son existence. Et je le fais à travers mon court-métrage. Mais bien avant, j'ai utilisé l'écriture. Voici mon premier roman, Una verità rubata, mais a été traduit également en anglais et en allemand. Vous pouvez naturellement prendre plus d'informations à travers mon site qui s'appelle www.unaveritarubata.com. Vous allez avoir plusieurs informations également en anglais. Mais avant de vous raconter de ce que mon court-métrage parle, je voudrais absolument remercier la fondatrice de ce festival, Cannes World Film Festival, Carolina Bomba. Je la remercie de la part de toute ma famille et de la part de mon cast, que je remercie également pour avoir soutenu un court-métrage comme celui-ci, qui parle malheureusement d'une histoire vraie. Mais je veux remercier Carolina Bomba non seulement parce qu'elle nous a rendu avec sa commission gagnant de deux prix, mais parce que elle a choisi ou ils ont choisi une histoire réelle qui parle de thèmes comme les miens. Et donc la violence dans un nucléaire familial et la recherche d'une sœur. Je recherche ma sœur à travers un livre et à travers un court-métrage. Donc j'utilise l'art, le cinéma pour le faire parce que la justice nous a fermé les portes. Et donc, je me suis dit, bien, de quelle façon puis-je arriver à elle? Comment puis-je lui raconter qu'elle n'a jamais été donnée en adoption? Et c'est comme ça que j'ai décidé de publier tous les documents que j'ai pu trouver pendant cette recherche que j'ai fait avec un marshal après avoir dénoncé. Je crois que c'est important que vous lisiez l'interview que j'ai laissée ici à ce festival, mais dans mon livre, tout est écrit également en détail. On ne s'y attendait vraiment pas, mon cast et moi, d'être invités à plusieurs festivals, de recevoir autant de prix, parce que ce n'était pas le but de recevoir des prix, mais excusez-moi, je suis émue. À chaque fois que je parle de la recherche de ma sœur, ça me touche énormément parce que je suis vraiment reconnaissante et ma famille le est aussi. Et ça me rend toujours difficile de tenir une interview jusqu'à la fin sans être émue. Comme je vous disais, c'est quand même de ma famille qu'on parle, c'est un drame que nous avons vécu. Je ne savais rien avant 20 ans et le fait de savoir aussi qu'elle s'appelait Rosa, comme moi, ça m'a touchée énormément, donc ça me rend encore plus responsable. Et c'est pour ça que j'ai décidé de reporter
à la maison notre vérité qui a été volée. Je remercie tous les festivals qui comprennent le but de mon appel, parce que c'est un appel. Là, je reviens de Rome, dont nous avons été sélectionnés, et j'ai reçu deux prix, le prix Vincenzo Crocitti pour la carrière, qui m'a été donné par le fondateur Francesco Fiumarella, mais non seulement. Le prix Moraldi Rossi. Moraldi Rossi est un grand régisseur. Il a été au moins 10 ans le co-régisseur de Federico Fellini, connu dans le monde du cinéma. Et le prix m'a été directement donné par la fille de Moraldi Rossi, Raffaella Rossi. Donc tout ça, vous comprenez que ça nous rend tous heureux et c'est gratifiant, mais le but, c'est un autre. C'est ma sœur. Merci à tous ceux qui ont pris temps pour écouter ce message. Je vous souhaite beaucoup de bonheur aux participants et beaucoup de chance. Et qui sait, peut-être un jour, nous nous rencontrerons à Cannes. À bientôt.